Et tous les instruments de musique sont déjà partis, hein. On est en train de vous les livrer chez vous. Et vous avez acquis le droit d'actionner la roue pour tenter une qualification pour la finale qui aura lieu dimanche, intégralement consacrée à Pâques. Il y a de superbes cadeaux. Et on va rajouter tout à l'heure, vous allez voir, quelque chose d'assez magnifique. Bravo, à tout à l'heure, Sandrine, merci. Éric Hautecoeur. Éric sera le dernier appelé aujourd'hui. Bonjour Éric. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous arrivez Éric de Forges-les-Eaux. Forges-les-Eaux, que faites-vous à Forges-les-Eaux? Maçon. Très bien Éric. Je vais vous souhaiter bonne chance. On se concentre sur le dernier cadeau de sélection, sur les accessoires de voiture en ce moment. Vous allez me dire, ça revient souvent en troisième cadeau de sélection, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai aussi que nous tentons de faire gagner à nos quatre candidats une voiture, une vraie hein, cette fois-ci, grâce à notre partenaire presse. On va d'abord vous détailler le règlement, et puis ensuite je vous reparlerai de ce cadeau de sélection. Chers candidats, vous remporterez un abonnement à TéléZ ainsi qu'une voiture si vous trouvez le juste prix du prochain cadeau de sélection. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez gagner cette voiture en étant associé à ce jeu. Pour être tiré au sort, il suffit de découper ou de recopier sur papier libre le bulletin qui figure dans TéléZ et de le renvoyer à cette adresse. Concentrez-vous, vous jouez maintenant pour gagner cette Daewoo modèle Nexia GL. Alors c'est Madame Cotteret, Madame Dominique Cotteret, je dis Cotteret mais c'est Cotteret, il n'y a pas de E. Dominique Cotteret, vous habitez à Gélannes, c'est dans le département de l'Aube. Dominique Cotteret, j'espère que vous êtes devant votre poste de télévision et qu'il est allumé sur TF1 dans le juste prix en particulier. Car si Mariani, Salima, Eric ou Lassen me donnent le juste prix du troisième et dernier cadeau de sélection, eh bien non seulement ils le remporteront ce cadeau, ils remporteront la voiture, ce qui vous fera plaisir, mais grâce à eux, vous remporterez vous-même le même modèle, la même voiture, Madame Dominique Cotteret. Voici le cadeau de sélection, regardez. Arrangé dans le coffre de votre voiture, voici un triangle de signalisation, un projecteur halogène, un compresseur à air et un coffret de clés. C'est ça qui me manque dans ma voiture, moi, un compresseur à air. J'ai pas ça, moi. Pour ça, des fois, je me dis, il faut que j'achète ça, un compresseur à air. Éric. 1320 francs. 1320 francs. La Seine. 1300. 1300 ? Oui. 1300. Marie-Annie. 1215. 1215. Salima. 1120 francs. 1120 francs, vous avez choisi de jouer un tout petit peu en dessous, vous allez jouer un tout petit peu au-dessus, Salima. Le juste prix de ces accessoires de voiture est en réalité de 1270 francs. C'est donc Marie-Annie qui les remporte. Bravo Marie-Annie. On va se décaler un tout petit peu pour se mettre dans l'axe des lumières. Voici avec les accessoires de voiture. Notre voiture à nous, on la garde. On la remettra en jeu demain. On est désolé pour Dominique Cotteret, mais elle peut toujours nous réécrire. Hein. Rien ne dit que son bulletin ne sera pas à nouveau tiré au sort. En tous les cas, pour vous, la bonne nouvelle, c'est qu'immédiatement après l'interruption de pub, chère Marie-Annie, nous jouerons ensemble au téléphone en or. Là encore, nous ferons appel à un téléspectateur ou une téléspectatrice de TF1. Le but du jeu, remporter des primes montant maximum 50 000 francs à partager avec notre interlocuteur. A tout de suite dans le juste prix. S'il vous plaît, on reprend. Excellence lait, d'abord une sensation. L'arôme lacté, comme un prélude à la douceur. Impression nuancée de ce chocolat mélodieux. Chaque fois, je découvre toute son onctuosité. L'accord parfait entre les notes tendres du lait et le goût profond du cacao. Excellence lait de Lindt, recette suisse, vous n'avez jamais ressenti de telles sensations. Bonjour, ces personnes vont tenter de battre le record du lancer de clafoutis sur cible. J'en profite pour vous parler des offres record Citroën. Avec la ZX Harmony qui offre plus de 30 équipements de série à partir de 59 200 francs. Et ça, c'est un record. Les offres records homologuées par Citroën jusqu'au 15 avril. Si pur. Si fondant. Si frais. Dieu que c'est bon. Dieu que c'est bon de faire un caprice. Caprice des dieux. Pour un petit Palermo, je ferai n'importe quoi, Palermo. Palermo. Apéritif Palermo. Sans alcool, la fête est plus folle. Capitaine, regardez sur l'écran, des extraterrestres. Vous êtes sûr? Oui, ce sont des Monster Munch. Des Monster Munch? Combien? Oh, beaucoup, capitaine.
Ça va sûrement chauffer. Mais que fait-on alors? Capitaine, je pense qu'il faut tous les manger. Monster Munch, des petits monstres salés au bon goût de pommes de terre. Monster Munch de Balzen, mieux vaut tous les manger. Voici ce qui progresse, liquide. Il a toute la puissance pour éliminer plus de tâches difficiles du premier coup. Qui progresse liquide pour éliminer plus de tâches difficiles du premier coup. Le jour où les hommes ont dérobé Ilios aux dieux, ça ne s'est pas très bien passé. Ilios, le véritable yaourt grec de Danone. J'ai goûté la mayonnaise de Dijon Amora. J'ai découvert une mayonnaise qui a vraiment du goût. Et Dijon pour la mayonnaise, ça veut dire plus de goût. Amora, par amour du goût. Allô Sophie, je m'inquiète pour notre réunion. Mais ça va bien se passer, t'en fais pas. Oh, mais comment tu fais pour être toujours en forme? Chaque matin, je prends Fruit and Fib de Kellogg's. De délicieux pétales de blé complets, des fruits, du fer, du phosphore, du magnésium. Un parfait équilibre pour que tu gardes le tien. Ça me ferait plaisir que tu viennes dîner ce soir. Fruit and Fib de Kellogg's, prenez goût à l'équilibre. Le théâtre, c'est la vie, ma vie, c'est le théâtre, affirme Gérard, qui vient de décrocher un premier rôle, son tout premier. En attendant le Cid et les Molières, le voilà qui s'apprête à gratter un millionnaire. Millionnaire, grattez la petite roue avant de tourner la grande. Mais moi, je l'ai, le truc pour avoir un beau gazon. Je lui parle, mais en anglais. Do you want your super green? Là, par exemple, je lui demande s'il veut son. Hop, super green, tu penses. Il fait tout, engrais, désherbant, anti-mousse et reverdissant. Four in one, hop, 4 en 1, il a compris. Il est content, il frétille. Super green de KV, pour ne pas se planter. Quoi l'accent? J'ai fait espagnol en première langue. Famille, je vous aime. L'émission que les enfants conseillent à leurs parents avec Peugeot 806. Ce soir, dans Famille, je vous aime, Chantal Goya nous parle d'elle en toute complicité. Est-ce que vous savez être méchante? Une maison de retraite qui est aussi une crèche. À Lyon, une expérience unique. J'ai toujours cru que les grands-parents sont les meilleurs amis des enfants. Martine s'est toujours sentie un homme dans un corps de femme. Elle a fait le choix difficile de la transsexualité. Qu'en pense sa famille? Isabelle Quenin reçoit Chantal Goya et Jean-Jacques Debout dans Famille, je vous aime, ce soir, 22h40, sur TF1. Marie-Annie, vous allez jouer au téléphone en or des justes prix qui peut vous rapporter des primes allant jusqu'à 50 000 francs. Nous sommes de retour sur le plateau du juste prix. Comment? Je connais pas du tout le jeu. Mais non, mais ça tombe bien, moi je suis là pour ça, pour vous expliquer Marie-Annie, mais le temps pour moi de saluer tous ceux qui nous retrouvent en ce moment sur l'antenne de TF1, leur préciser que vous avez été sélectionné juste avant les pubs, que vous arrivez Marie-Annie de... De Poincé, dans le Maine-et-Loire. C'est le département du Maine-et-Loire. Alors nous allons, nous, aller vers un autre département, nous allons, pendant que je prends le téléphone, nous allons aller vers l'Aveyron, à Rignac très exactement, petite ville de l'Aveyron, où nous attend Germaine. Germaine. Elle est là, Germaine. Bonjour, Germaine. Bonjour, Philippe. Vous allez bien? Ça va bien. Vous êtes en forme? En forme. Vous avez une liste de 7 prix sous les yeux? C'est bien ça. C'est bien cela. Alors, avant d'aller plus loin dans le règlement, je vous présente Marie-Annie, qui sera votre associée d'un jour et qui voulait vous souhaiter la bienvenue, chère Germaine. Bonjour, Germaine. Eh bien, bonjour, Marie-Annie. Nous avons fait une... Alors, je crois, Germaine, que vous connaissez bien le jeu, vous, hein? Ben je connais, oui, parce que je vous regarde beaucoup et je vous félicite d'ailleurs pour la façon dont vous présentez tout ça. C'est gentil. Alors là, Germaine... Voilà, ouais, c'est vrai. Là, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup ce que vous me dites. Alors, mais je vais résumer pour Marie-Annie qui connaît un petit peu moins bien le jeu. Alors, Marie-Annie, c'est très simple. Germaine a devant les yeux 7 prix. Vous, vous avez devant les vôtres, 2 yeux, 7 cadeaux. Ils sont là, vous voyez, donc chacun a un prix. Germaine va nous donner 3 prix. À vous d'associer le prix proposé par Germaine à l'un des cadeaux. Et à chaque fois que vous tombez sur la bonne réponse, vous voyez sur le téléphone en or, il y a des primes associées. Et ensemble, en fin de parcours, nous dévoilerons le montant de vos gains que vous partagerez avec Germaine. Bien compris? Oui. On y va? Alors Germaine, vous ne quittez pas.
Nous allons détailler les articles et ensuite vous me ferez une première proposition, d'accord? Oui, je reste là. Ah, allez, ça roule. Indispensable pour établir vos budgets familiaux, professionnels, une calculatrice de poche fonctionnant à pile ou avec l'énergie solaire. Avec ce jeu d'initiation à la poterie, vos enfants pourront créer et modeler eux-mêmes toutes sortes d'objets. Ces deux paquets de pâtes magiques aideront vos enfants à développer leur créativité. Dans cet album, vous pourrez classer vos 80 meilleures photos de famille. Ces deux livres, pleins de tendresse, invitent vos enfants dans l'univers de Petit Canard et de Petit Lapin. Un puzzle de 250 pièces pour développer la concentration et l'observation des enfants de 8 ans et plus. Et enfin, indispensable à toute cuisinière, une passoire en inox avec ses poignées dorées. Alors, nous retournons vers Rignac, département de l'Aveyron, où nous attend Germaine. Cette fois, vous pouvez, Germaine, nous faire une première proposition. 160 francs. Alors, Germaine nous propose 160 francs. Selon vous, Mariani, parmi tous les articles que vous retrouvez sur notre téléphone en or, quel est celui qui coûte 160 francs? Vous les avez en face de vous aussi, hein? La passoire. Vous pensez que la passoire coûte 160 francs? Vérification. 129, on n'en était pas loin, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question. C'était le jeu artistique là-bas. C'était la poterie, c'est ça, le jeu artistique qui coûtait 160 francs. Bon, c'est pas très grave. Faites-nous une nouvelle proposition, Germaine. 38 francs. 38 francs. Qu'est-ce qui coûte 38 francs, Mariani? Le puzzle. Le puzzle à 38 francs. Avant-dernière case, Dominique. Puzzle 38 francs. Bien joué. Bravo. Ça... Alors là, vous venez de remporter une prime, Mariani, que vous partagerez avec Germaine. On n'en connaît pas le montant. On le dévoilera dans 2 minutes. Bon, bah, ça se passe plutôt pas mal, Germaine. Dernière proposition. Et 80 francs. 80 francs. Qu'est-ce qui coûte 80 francs? Il vous reste la calculatrice, pâte à jeu, album photo ou livre. L'un de ces quatre articles coûte 80 francs. Question, lequel, Mariani? La calculatrice. La calculatrice à 80 francs? Eh, on n'était pas loin, c'était 90 francs. C'était les livres qui coûtaient 80 francs. Bon, reste à savoir le montant de la prime. D'accord? D'accord. On y va, ne quittez pas. Je vous laisse avec Germaine au téléphone. Nous allons regarder. Vous avez gagné la prime associée au puzzle. Alors, calculatrice, il y avait une prime de 5 000. Jeu artistique, une prime de 15 000. Pâte à jeu qui coûtait 60, la prime était de 1 000. Album photo à 42, la prime était de 5 000. Les livres à 80, la prime était de 1 000. Vous allez voir que ça va être très très bien. Vous allez voir, Mariani. Passoire à 129 francs, la prime aux 25 000. Mais regardez bien, vous allez vous partager avec Germaine une prime de 10 000 francs pour avoir retrouvé le juste prix, pour avoir retrouvé le juste prix du puzzle. Et bien pour vous, 5 000 francs, Germaine. Oui, c'est très bien. Hein. Pas mal, hein? Ben oui, très bien. Et ben, je suis ravi de vous avoir rencontré par voie de téléphone. Si vous en avez le temps un jour, venez nous rendre une petite visite sur le plateau, ça nous fera plaisir. Et puis très prochainement, de toute façon, vous recevrez un chèque de 5 000 francs de la part de la production du juste prix. Merci. Très très belle journée à Rignac dans l'Aveyron. Au revoir Germaine, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Gros bisous. Hop, on raccroche avec Germaine. Il est pas mal ce jeu finalement. Très bien. Ils savent que vous ne le connaissiez pas. Et bien vous voilà avec maintenant un chèque de 5 000 francs pour vous. Et évidemment, le fait d'actionner la roue d'ici 3 minutes maintenant. Le temps pour moi d'aller dans le public pour vous de noter notre adresse. Si vous rêvez d'assister au juste prix, renvoyez le bulletin qui figure dans Télé Z chaque lundi. Vous pourrez également trouver des bulletins de participation dans tous les magasins But ou nous écrire sur papier libre. Alors, lorsque nous en avons le temps, vous le savez si vous nous suivez dans le juste prix, on a une séquence que nous avons appelée Philippe, séquence rock'n'roll. Oui. Vous le savez? Oui. C'est pourquoi Philippe, oui, je ne m'adresserai exceptionnellement pas à vous, mais à Jacqueline qui est là, car le rock'n'roll, c'est le domaine de Jacqueline. Ça va, Jacqueline? Ça va bien, ça va bien. Alors on m'a dit, c'est sûr comme ça quand on a un petit peu de temps, moi je prends ceux qui sont là, on m'a dit que vous adoriez chanter. C'est vrai, j'aime bien chanter. C'est vrai. Vous aimez chanter quoi? Beaucoup de Piaf. Ah, c'est bien Piaf. Bah oui, mais c'est pas rock'n'roll. Hein. Ah, non mais c'est bien quand même. Et quoi que vous preniez l'homme à la moto, c'est limite rock'n'roll. Hein. Oui, oui, mais ça. Limite, limite. C'est clair là. Alors qu'est-ce que vous me faites? Pas d'âme. Tout le monde reprendra en frein. Eh ben, par exemple, hein, je vous laisse le micro, la caméra, elle est là, vous êtes sur scène. Vous avez 25 millions de personnes qui vous regardent, qui disent « Oh, Jacqueline !» D'accord? Allez, je vous laisse le micro. Merci. Cet air qui s'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un air me sonne dans ma parole, c'est en fait j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en
toi. Padam, 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 des vêtus en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur cette air qui m'a reconnu. Merci. Les câbles. Oui, oui. C'est bon, c'est bon. Croyez la chanson, chanson. C'est... Alors, quoi? Bah tiens. Hein, Tintin? Alors, on en est où, nous? On en est au Minitel. On se fait un petit Minitel, tous les deux? Oh là là, alors là, oui, je veux bien. Tiens, vous seriez bien la première à refuser un petit Minitel avec moi. Hein. Oui, mais comme j'ai pas tellement de mémoire, la preuve, je me suis trompée dans les paroles. Ça fait rien, vous n'avez pas de mémoire, vous n'avez pas besoin de lunettes. Eh si. Ah si, il faut des lunettes en plus. On peut pas dire le téléphone à la place. Eh ben, on va dire le téléphone à la place. Mieux, je crois. 86. Non, 36. 36. 36. Vous a, eh, je vais vous dire un truc. Là, c'est bien ce que vous faites. Parce que c'est vrai qu'au moment du Minitel du téléphone, bon, moi je le connais par cœur maintenant, ça fait pas mal de temps que je sais ça. Mais on nous passe un panneau. Depuis maintenant, je pense, un an et demi, il y a le 3 du. Écoutez-moi, Jacqueline, il y a le 3 du 36, effectivement, qui est mal fait et qui ressemble à un 8. Mais ça va. Mais, non, non, mais c'est pas de votre faute, ça va rester 10 ans comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça fait mal quoi. Elle s'en va du coup. 36 68 40 45 c'est le téléphone et le Minitel c'est un classique, c'est le 36 15 côté TF1. Vous suivez la rubrique Juste Prix. Si en plus vous vous souvenez de l'intitulé général du jeu numéro 1 qui a été présenté, proposé à Eddy, qui l'a accepté d'ailleurs avec beaucoup de bonne humeur. Oui, Eddy. Vous vous souvenez? Oui, oui, très bien. Eddy, réveille-toi, tu dors depuis des heures. Et ben ça vous fait des points supplémentaires. Donc points supplémentaires pour gagner des chèques de 10 000 francs. Vous avez vu ce petit salon là-bas? Exact, oui. Il est dans la vitrine. Vous avez vu la cuisine équipée? Aussi, oui. Est-ce que vous avez vu encore la petite fontaine, tiens, là-bas? La fontaine, en plutôt bien. Il doit y avoir normalement un petit bijou porté par l'une de nos trois copines. Un petit collier. Avec un petit collier, un bien. Motif. Il me semble qu'on va peut-être bien rajouter un petit voyage aujourd'hui. L'Italie, vous aimez l'Italie? Ah, l'Italie, oui. Ah, l'Italie. Ah, oui. Rome? Oui, peut-être. Oui, Rome. Peut-être, ouais, peut-être. Oui. Rome, Rome. Rome, alors Rome, tout de suite, regardez. Merci, bravo Jacqueline. Notre vitrine célèbre cette semaine la fin du carême et la traditionnelle fête de Pâques. Pour préparer vos spécialités et régaler vos gourmands, Tesser a choisi pour vous cette cuisine pleine de soleil baptisée Valentine. Garantie 10 ans, ces meubles en érable remettent au goût du jour la délicate technique du rouge champi. Réalisé à la main, ce traitement particulier des champs crée une harmonie de couleurs complémentaires qui souligne chaque élément. Les portes sont montées sur charnières invisibles et les assemblages de tiroirs sont réalisés en queue d'arande. Pour la cuisson, Godin vous a proposé cette châtaigne blanc et laiton présentant une esthétique à l'ancienne. Elle possède un dessus en fonte émaillée, 4 feux gaz et un four multifonction. Après le repas, toute la famille s'installera dans ce salon de jardin en teck pour un agréable moment de détente. Il se compose d'une table ronde d'1,10 m de diamètre, de 4 fauteuils pliants assortis et d'un parasol en bois et toile de coton imperméabilisé accompagné de son support en acier. À proximité, nous avons installé pour vous cette adorable fontaine en fonte modèle Flora. Équipée d'un robinet en laiton, elle vous procurera un peu de fraîcheur et apportera une touche romantique à votre jardin. Hier, nous avons choisi pour madame ces deux bijoux de fête en or 750 millième. Cette chaîne à la maille Forçat lui permettra de porter en pendentif cette croix rehaussée de 4 pierres fines aux 1000 reflets. Aujourd'hui, nous vous invitons à passer avec la personne de votre choix une semaine inoubliable à Rome. Après un vol régulier au départ de Paris, vous serez accueilli dans un hôtel 3 étoiles de la capitale italienne. Vous découvrirez les richesses du musée du Vatican, sans oublier les célèbres monuments de la Rome antique et ceux de la Rome chrétienne. Bon séjour et rendez-vous demain pour l'avant-dernier volet de notre vitrine Pâques. Et avec l'un de mes trois candidats, ce n'est pas demain, mais après-demain que nous aurons rendez-vous, soit Mariani, soit Sandrine, soit Eddy. Les trois vont tourner la roue, mais l'un d'entre eux seulement aura le droit de revenir dimanche en finale. Au passage, ils peuvent remporter le montant de la cagnotte de notre partenaire. Ici, 6 000 francs. Tiens, tout rond avant qu'Eddy n'actionne cette roue. Si vous faites 100, vous gagnez la carte Boum Boum, créditée du montant de la cagnotte et offerte par les magasins But. Eddy, je vous souhaite bonne chance, vous avez gagné 11 CD, dont le CD de Jacqueline qui a chanté tout à l'heure. Padam, padam. De gagner une chaîne IFI, un bureau, plus l'ordinateur, plus un jeu. Pas mal hein, comme cadeau, je trouve. Bien, oui, très bien. Alors, Eddy. Ah, bien vu, 90. Rappelez-moi d'où vous venez, Eddy. Villers-Patron, Côte d'Or. C'est bien ça, c'est la Côte d'Or. Alors, là, nous avons Sandrine. Sandrine, en route, vous allez devenir la musicienne du groupe, puisque vous avez un ensemble de percussions, vous avez la guitare et vous avez un téléphone. 90 ça bat, c'est pas facile. Oh, mais il y a le 95 là. Ah non, il est passé. 50, ça ne suffira pas malheureusement. Reste Marie-Annie qui vient de gagner 5 000 francs.
Au téléphone en or, elle a joué avec Germaine, département de l'Aveyron. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y. Germaine a gagné 5000 francs également, mais vous, vous avez des accessoires de voiture en plus. 90 sabbats, je le rappelle, sinon Eddy revient en finale, ça sera insuffisant car vous allez faire 30. 30, Eddy, vous êtes en finale. Super. Eh bien, c'est plutôt bien. Il nous reste un candidat à sélectionner, ce sera fait demain, mais auparavant, avant de nous séparer, comme le veut la tradition, je propose, si vous êtes d'accord, Eddy, bien entendu, bien sûr, oui, de faire quelques petits cadeaux supplémentaires à Sandrine et à Mariani. Regardez, en voici le détail. TF1 Edition vous propose de découvrir des solutions gourmandes pour rester mince et en forme dans le lit du docteur France Aubry pour réussir votre régime. TF1 vous offre l'une de ses cartes téléphoniques de collection dédicacées et l'un de ses pins parlants que vous pouvez gagner sur Minitel 36 TF1 ou en téléphonant 36 68 9000. Voilà, après Rodolphe, après David, après Joël, après Michael, et bien c'est Eddy qui est sélectionné aujourd'hui. On croise les doigts pour vous, mais nous avons encore, nous, un candidat à accueillir, à sélectionner. Ça se passera demain, donc dans le juste prix. Passez une très très belle journée. Au revoir, qu'est-ce qui se passe? La bise de quoi? Vous voulez que je fasse la bise à Eddy? Eddy à Sandrine? Sandrine à Mariani? Bon, on va faire ça en antenne, parce que je comprends plus bien ce que vous voulez là. Vous voulez quoi? La bise aux filles là-bas? Oh, bah, Eddy, allez-y. Oh, on sait pas, je vais rester avec les filles, c'est moi. Tiens, on reste avec moi. Au revoir, à demain. C'est la soirée avec Belmondo et vous propose de découvrir Jean-Paul. Ne sursautez pas surtout. J'arrive. C'est à quel sujet? Moi. Mais je suis né acteur. Tenez pas cette maladie. Là, c'est l'acteur qui parle à l'autre acteur. Bien. Très bien. Très très bien. Pour fêter ses 40 ans de carrière, dimanche à 20h45, retrouvez l'acteur dans Peur sur la ville. À 23h, Portrait de l'homme, Belmondo le magnifique. Et à 0h15, sur les planches, Tailleur pour dames. Très très bien. Avec les mousquetaires Intermarché. À vrai dire, vous informe, vous conseille, vous oriente. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché, c'est vrai. Une petite bête, la crevette. Crue ou cuite, rose ou grise, elle a la cote auprès des Français. Chez votre poissonnier, vous trouvez les traditionnelles crevettes grises et les belles roses. Elles sont vendues cuites et décongelées ou crues décongelées également. Il y en a même qui sont déjà décortiquées. Les petites grises disponibles toute l'année accompagnent les plateaux de fruits de mer ou se croquent en apéritif avec du pain et du beurre. Elles sont pêchées en Europe et vendues déjà cuites. Leur couleur grise vire alors au rose foncé, voire au rouge. La réglementation prévoit deux catégories de fraîcheur pour ces petites crevettes, A et B. A étant bien sûr la plus sévère. La crevette rose est une crevette tropicale d'élevage, plus grosse que la grise, qui vient essentiellement d'Amérique centrale et d'Asie. À quoi reconnaît-on la fraîcheur des crevettes? Elles doivent présenter un bel aspect brillant et avoir une odeur agréable. Attention, les crevettes cuites vendues au rayon marée peuvent contenir des conservateurs qui évitent à la chair de noircir. Dans ce cas, cela doit être signalé. Sachez enfin que les crevettes aux origines lointaines qui arrivent sur l'étal ont toutes été congelées et décongelées. Au rayon surgelé, maintenant, vous avez de tout, y compris des espèces rarement vendues crues. Depuis une dizaine d'années, la crevette nordique est la crevette cuite surgelée qui se vend le plus. Pêchée en mer du Nord, elle est surgelée à bord. L'origine est toujours indiquée sur l'emballage ainsi que la grosseur. Si vous le pouvez, vérifiez bien qu'elle soit entière et sans taches noires sur la tête. Les gambas, elles, sont vendues crues ou cuites. À l'origine, elles venaient d'Espagne, mais actuellement, le plus gros des troupes vient d'élevage asiatique. Un bouquet de crevettes et c'est la fête. Tous les jours, une information claire et objective pour mieux consommer. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché, c'est vrai. TF1.
Énergie présente Céline Dion en concert les 20, 21 et 22 septembre à Paris-Bercy et en tournée en France. Coupe de la Ligue. Une finale inédite pour une place en Coupe d'Europe. Metz, Lyon. Qui deviendra le nouveau roi de la Ligue ? Une finale de caractère où la jeunesse est décidée à faire parler le talent et la passion. La finale de la Coupe de la Ligue, Metz-Lyon, samedi 16h55, en direct sur TF1.